entendu la voix. Êtes-vous un homme ? Êtes-vous une femme ? Êtes-vous une entité démoniaque ? Eh bien, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, pour ce vendredi soir, on se retrouve dans un lieu que vous connaissez tous. C'est ce fameux four à pain. Rappelez-vous ce lieu, j'avais fait passer une entité. Et j'étais revenu, j'avais eu encore des phénomènes dans ce lieu. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma femme Angélique que vous connaissez tous. Coucou tout le monde. Alors vous pouvez voir Angélique qui est équipée d'une ghost box que je vais tester ce soir puisque c'est la copie de la ghost box des catacombes que j'ai améliorée tout simplement. Allez, petite vidéo tranquille comme j'aime à les appeler. On se met en place et on fait une session de ghost box. Je regardais en haut, j'ai cru entendre du bruit. Mais je pense que c'est un animal. Alors quoi de mieux comme endroit les amis pour faire une session ghost box. Donc ce soir on va brancher notre ghost box équipée d'une pompe EMF et du pod. C'est parti, action. Allez, je vais lancer une session de ghost box. Comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'un voltmètre. J'aime le rappeler, le voltmètre a l'utilité déjà de vérifier l'état des piles. Mais aussi, il va avoir l'utilité de voir si la tension baisse, si une entité est en train de purger dans le cristal de roche pour faire baisser la tension de la ghost box. Ça nous indiquera si une entité est proche de la ghost box. Et bien entendu, j'ai le pod qui se trouve en haut ici. Si ça se déclenche, et ben ça se met à sonner tout simplement. Allez, c'est parti. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît ? Vous pouvez purger le cristal de roche, le cristal que je viens de toucher, pour communiquer avec nous, s'il vous plaît. Allez-y. Communiquez avec nous. Allez-y, je vous écoute.
N'ayez pas peur, puisez les... Chose curieuse, c'est qu'on vient d'entendre un bruit juste là, je sais pas si tu l'as entendu toi aussi. Ben oui, ça fait deux fois on vient, enfin mais c'est vrai que j'avais entendu un bruit, mais là je l'ai entendu encore plus profondément. S'il y a une entité parmi nous, vous pouvez communiquer avec nous par le biais de la Ghost Box qui se trouve là. Allez-y, approchez, n'ayez pas peur. Magnifique PVE. Alors à réanalyser, mais c'était un magnifique PVE. Et en fait, c'était pas une entité humaine. Hein. T'as vu ça? C'était curieux. C'était assez robotisé, c'était assez curieux ce PVE. N'ayez pas peur, approchez. On vous a entendu. Vous pouvez parler par le biais de cette radio. Nous avons entendu le message que vous nous avez fait passer. Le sang dans le Christ. Le sang dans le Christ. Nous avons entendu le message que vous nous avez fait passer. Le sang dans le Christ. Le sang dans le Christ. Alors cette entité qui nous dit le sang dans le Christ fait peut-être allusion au sang du Christ. Alors il y a une phrase dans la Bible qui dit le sang de Christ a le pouvoir d'expier un nombre infini de péchés commis par un nombre infini de personnes à travers les âges. Tous ceux qui mettent leur foi en ce sang seront sauvés. En gros, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié en fait quand on l'a crucifié sur la croix. Pour sauver nos péchés passés, futurs et présents. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être David, c'est la radio que tu captes. Mais non, puisque on n'entend aucune musique, rien du tout, et on entend ce PVE. Et vous allez voir par la suite qu'il y a quelque chose qui va confirmer ce que disait cette entité. Mais continuons. Le sang dans le Christ. Vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes chrétien? Allez-y, parlez avec nous, s'il vous plaît. Tu l'as entendu, le bruit? En fait, c'est comme si quelqu'un était là, à côté de nous. C'est assez curieux. Et essayer de communiquer par le biais de la Ghost Box. Donc, on a entendu quelques PVE avant, que vous avez entendu. Mais le PVE le plus clair, je pense que c'est le sang dans le Christ. Ouais. Après, à la réécoute, peut-être qu'on y comprendra mieux les PVE qu'on a captés avant. Monsieur, est-ce que vous êtes catholique? Curieux, ça. C'était quoi, une musique ou c'était... Je sais pas, c'est bizarre. Toi, tu ressens quelque chose? Je baisse un peu le réverb. Allez-y, monsieur. Le sang du Christ. Vous parliez du sang du Christ, monsieur. Est-ce que vous êtes croyant? C'était féminin, non? Est-ce que Dieu est parmi vous, monsieur? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Bon, je ressens une présence, là. Tu l'entends? Toi aussi? C'est au niveau de la fenêtre. Et t'entends le bruit? Oui, mais depuis tout à l'heure, ça fait du bruit en fait. Je soupçonne une entité ici qui est près de nous et qui nous observe, et peut-être même qui a dialogué par le biais de la Ghost Box. Est-ce que... Vous pouvez frapper quelque part si vous êtes là avec nous, s'il vous plaît. Faites un bruit quelque part. Tapez dans la tôle ou dans le bois par terre. Allez-y, puisez l'énergie du cristal de roche sur la Ghost Box pour avoir assez d'énergie pour le faire. Ou tapez dans la porte. T'as entendu?
Allez-y, puisez l'énergie du cristal de roche sur la Ghost Box pour avoir assez d'énergie pour le faire. On tapait dans la porte. T'as entendu ? Ça a tapé, non ? Oui, il y a des bruits bizarres. Vous allez pouvoir communiquer avec nous par le biais de la Ghost Box. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, si c'est vous qui avez communiqué. D'ailleurs, faites un bruit si c'est vous qui avez parlé dans la Ghost Box. S'il vous plaît. Tapez quelque part. J'ai cru entendre un boom, non ? Non, pas là. J'ai pas entendu là. Allez-y, communiquez avec nous. Donc là, on a la radio, on est OK. Pourquoi le sang du Christ ? Pourquoi le sang du Christ, monsieur ? Parlez avec nous par le biais de la radio qui se trouve à ma droite. Comme vous l'avez fait à l'instant. Quand vous m'avez parlé du sang du Christ. Qu'est-ce que t'as ? Rien, maman. Tu veux essayer de communiquer ? Alors, ce lieu date du Moyen-Âge, et je suis en train de penser, ça parlait du sang du Christ, etc. Juste derrière, on a un château. On a une église qui est très vieille, que vous entendez sonner. On a cette pièce qui est un four à pain, mais qui est beaucoup plus vieux que ça. Connaissez-vous le château, monsieur ? Est-ce que vous connaissez le château qui se trouve là, juste à côté ? Bonjour. Là, je pense que c'était la radio. Ouais. Mais juste avant, ça a répondu. On fera après analyse. Ouais. On fera un replay. Ouais. Je pense que ça a répondu à ma question. Ça a dit quoi ? Bonjour. Là, je pense que c'était la radio. Ouais. Mais juste avant, ça a répondu. On fera après analyse. Ouais. On fera un replay. Ouais. Je pense que ça a répondu à ma question. Alors, du coup, là, j'ai pas enclenché tout au niveau de ma Ghost Box. J'aurais pu enclencher la pompe EMF pour nourrir les entités qui se trouvent autour de nous pour que ça soit beaucoup plus fort. Je vais baisser. Et qui donne l'impression trop souvent. Ça, c'était quoi ? Et qui donne l'impression trop souvent. Est-ce que ça répondait à ce que je disais ? Non, c'était par. Tu discutais par rapport à ta batterie. Si tu mettais tout, ça va pomper ta batterie. Ouais, ça va pomper ma batterie et on n'aura pas assez de jus. Et comme ce soir, je disposais pas plus d'une boîte. Donc on n'aura pas la pompe MF de brancher et ni le pod. Mais on a quand même le bruit blanc que vous entendez derrière, bruit marron et bruit rose, qui bascule toutes les 30 secondes. Depuis que vous avez quitté Radio. C'était la radio, ça, pour toi ? Oui. Ouais. T'as entendu ? Mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors, on réécoutera au replay, je suis pas sûr, on peut se tromper sur le coup. Il y a une femme prêt à parler et avant il y avait un homme.
Ça vient de m'insulter, t'as entendu? Mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors, on réécoutera au replay, je suis pas sûr, on peut se tromper sur le coup. Il y a une femme prêt à parler et avant il y avait un homme. Je regardais justement à ce moment-là quand ça parlait, je regardais le voltage. Là par exemple, on est à 7,6 volts. Normalement, on a une batterie 9 volts. C'est pour ça que j'économise. De plus, là on voit, tu vois, qu'ils sont en train de puiser. Il y a une entité. Cette mission, est-ce qu'on vous donne? T'as vu quand il a parlé? Comment ça a baissé? Ouais, il y a... Amour? Ouais, t'as baissé peut-être 60 hein. Une entité. Cette mission, est-ce qu'on vous donne? T'as vu quand il a parlé? Comment ça a baissé? Amour? Ouais, t'as baissé peut-être 60 hein. Malheureusement, on ne voit pas bien, mais on peut s'apercevoir qu'il y a un changement de luminosité. Le problème, c'est que c'est dû à la caméra Night Shot qui fait ressortir énormément la lumière, donc on ne peut pas voir les chiffres baisser. Mais à ce moment-là, quand l'entité parle, elle puise l'énergie dans la Ghost Box, elle fait baisser cette énergie et elle la remonte par la suite. Alors là, vous ne le verrez pas, mais c'est super intéressant le voltmètre. On sait qu'au moment où ça a parlé, une entité a fait baisser le voltmètre et l'a remonté. Donc elle a puisé d'énergie pour pouvoir communiquer, elle l'a remonté. Et en fait, ça a dit quoi? Écoute-moi, il y a de nouveau cette voix derrière qui me dit écoute-moi, cette voix masculine. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas la radio là, qu'on capte. Pas du tout. Donc ça, ça change. Là, tu rigoles parce que t'as entendu le bruit, c'est ça, tout à l'heure? En fait, Angélique sourit parce qu'on entend du bruit à ce niveau-là. Est-ce que c'est à ce niveau-là pour toi? Oui. Moi, je ressens aussi à ce niveau-là. Je vais pas bouger la batterie. Bah, ce qui sera bien, justement, tiens, j'en parle, je vais peut-être essayer de trouver si. Si l'un d'entre vous a une GoPro qui ne sert plus, une vieille GoPro, si vous pouvez me l'envoyer, moi je vais la modifier en Night Shot. Et justement, on prendra, pour des moments comme ça, on prendra. C'est-à-dire quand je vous parle et qu'on entend une entité ici, que la caméra est en train de prendre ici, on filmera du côté où on entend l'entité. Vous voyez, ça peut être sympa et je peux basculer l'image sur le côté, vous pouvez la voir. Avec une caméra semi-professionnelle, c'est un peu compliqué, c'est gros, une GoPro c'est beaucoup plus petit, donc je peux la diriger plus facilement. Est-ce que vous vivez dans la région? Non, pratiquement, bien sûr. Alors, il répond peut-être à la question que je vais poser. C'est la même entité qui nous parlait du sang du Christ tout à l'heure et non pratiquant en catholicisme. Sûrement. Non pratiquant, en fait, quelqu'un peut être catholique mais ne pas être pratiquant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que là, tout simplement, il répond à la question que j'avais posée. Sympa ce PVE. Alors ce PVE d'une vieille dame qu'on vient d'entendre est très intéressant. Car au moment où elle nous dit ça, juste avant, vous pouvez voir Angélique rigoler. Et elle nous dit, je pense qu'elle s'adresse à moi en parlant d'Angélique, en disant « Eh, elle s'est crue au lit !» Parce que Angélique est en investigation avec moi et à un moment elle rigole en me regardant. C'est assez marrant. En fait, l'entité nous fait une pointe d'humour. Et je trouve ça très chouette. Je vous refais écouter cette scène. Regardez bien. Sympa ce PVE.
Alors on fera un replay pour comprendre ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand vous êtes... C'est pour ça que je vous dis souvent, quand vous faites vos sessions de Ghost Box, enregistrez-vous par l'audio ou par une caméra, ou par un dictaphone, pour réécouter les PVE, parce que des fois, une entité peut vous parler. Une entité peut vous parler et vous n'êtes pas censé comprendre sur le coup, et vous pouvez comprendre par la suite. On entend du bruit dans les buissons. Pas vrai? Marie-Josée, un cadeau de notre fille. Vous me faites un cadeau, c'est ça? Oui, de votre fille. De votre fille? Ouais. Parler de notre fille? Ouais. Ce PVE, je le trouve magnifique. Avec Angélique, nous faisions l'analyse. Et Angélique me dit qu'elle pense, et ça se matchait tout de suite, que l'entité nous dit qu'il nous fait, que c'est un cadeau, notre fille, en quelque sorte. C'est l'univers qui nous fait ce cadeau d'avoir eu notre fille, Luna. Je vous fais réécouter le PVE. Marie-Josée, un cadeau de notre fille. Est-ce que vous connaissez Luna? Êtes-vous pratiquant vous-même? Est-ce que vous pratiquez la religion catholique? Merci. Une vieille prière. Une vieille femme derrière. Ouais, à deux reprises, on l'a entendu, ouais. Cette dame. Alors, ce PVE est très curieux. Je vais vous le faire réécouter. Quand on l'écoute bien, il y a une première intonation de voix et la voix change par la suite. Mais c'est toujours la même personne, la même entité qui parle. Réécoutez bien. Pratiquez la religion catholique. Merci. Une vieille femme derrière. Ouais, à deux reprises, on l'a entendu, ouais. Cette dame. Madame, vous essayez de communiquer avec nous, on vous entend. Vous pouvez continuer. Faites comme vous le faites à l'instant pour parler par le biais de la radio qui se trouve là. Cette boîte, madame. Allez-y. Allez, faites passer un message si vous avez un message à faire passer, madame. On vous écoute. Angélique et moi vous écoutons. Puisez l'énergie du cristal de roche qui se trouve en haut là. Donc, hyper important d'enregistrer vos sessions de transcommunication pour réécouter vos PVE, pour analyser, pour nettoyer le son. Monnerie, en milieu scolaire. T'as quelque chose à me dire, bébé? Non, tout va bien, moi. Je me dis que quand tu ressens quelque chose, te gêne pas, je t'ai dit. Faut vraiment t'habituer à me communiquer les choses que tu ressens. En fait, ça nous observe. Il y a une entité qui nous observe, qui est sûrement timide. Le bruit, c'est moi qui l'a fait à l'instant. Elle nous observe, qui est sûrement timide. Peut-être même qu'elle communique avec nous par le biais de la ghost box. T'entends pas, là? Ça a tapé comme dans du bois, non? Qui est sûrement timide, peut-être même qu'elle communique avec nous par le biais de la ghost box. T'entends pas là? Ça a tapé comme dans du bois, non? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez tapé dans du bois à l'instant? Refaites ce bruit, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Retapez. Ça a tapé là, non? Ben oui. Donc ça communique avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez de nouveau taper pour qu'on se rende compte que nous sommes bien en communication, vous et nous. Ça a tapé, là, on est d'accord. Magnifique. Puisez l'énergie du cristal de roche pour prendre la force qu'il vous faut.
Tapez deux fois, s'il vous plaît. Ce Cédric est une grosse merde. Là, t'as entendu la voix? On vient d'entendre un PVE à l'extérieur de la Ghost Box. La Ghost Box n'est pas branchée. Le PVE venait de la porte pour moi, juste là. On vous fera un replay. On n'a pas entendu ce que ça disait, mais on entendra mieux. Cédric est une grosse merde. Là, t'as entendu la voix? Ce Cédric est une grosse merde. Là, t'as entendu la voix? On vient d'entendre un PVE à l'extérieur de la Ghost Box. La Ghost Box n'est pas branchée. Le PVE venait de la porte pour moi, juste là. On vous fera un replay. On n'a pas entendu ce que ça disait, mais on entendra mieux. Mais c'était assez bizarre, comme PVE. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien une entité insulter un Cédric. Pourquoi elle dit ça, je ne sais pas, je ne connais pas de Cédric. Nous, de notre côté, nous ne comprendrons pas sur le coup ce que dit l'entité. Il n'y a qu'à la réanalyse que nous entendrons ce que dit cette entité. Nous déciderons de remballer les affaires et de partir. Alors les amis, il me reste une Ghost Box que je viens de terminer. Elle est équipée d'un reverb, d'un préampli. Elle est équipée d'un voltmètre, le fameux voltmètre. Elle est équipée du cristal de roche, comme le voltmètre que vous avez vu un instant dans la vidéo. Elle est équipée de cette fameuse Ghost Box à scan non linéaire et d'un générateur de bruit blanc qui fonctionne derrière, ainsi qu'un noise gate pré-réglé. Voilà. Donc elle est à vendre. Vous pouvez me contacter par le mail de l'association Le Paranormal 24, leparanormal24@outlook.fr. Que la paix et l'amour soient avec vous.